Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Action et Primark. Comme vous le savez, j'étais allée faire un petit tour dans ces deux magasins. Il n'y a rien de plus logique de faire une vidéo haul après avoir été faire un petit tour dans ces magasins, parce qu'on ne peut jamais sortir les mains vides. C'est quasi impossible de sortir les mains vides dans ces deux magasins. Donc j'ai acheté j'ai acheté certaines choses et je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par Action. J'ai acheté ce lot de coussins de chez Action. Voilà comment ça se présente. Je trouve vraiment ça joli. J'aime bien la couleur grise, comme vous me connaissez. C'est vraiment ma couleur préférée. Et les motifs de ce coussin, c'est les genres de coussins de Z Gallery ou Home Goods. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les magasins de décoration américains. Et j'aime beaucoup regarder des vidéos de ces magasins-là. Et franchement, je trouve que ça ressemble pas mal. Je suis fan de ces coussins. Je trouve les motifs vraiment très chic, très tendance. C'est vraiment magnifique. Et le lot, ça m'a coûté 4,75 €. Malheureusement, j'ai perdu la facture. Donc, j'essaierai de vous donner les prix plus ou moins corrects. Si les prix dont je me souviens, en fait. Donc, voilà. J'ai pris deux lots. Donc, ça me fait 4 coussins. Donc, voilà. 4 coussins au prix de 9 € à peu près. Donc c'est vraiment magnifique, c'est très joli. Et ensuite je me suis acheté également le même cadre. Je vous ai déjà montré la dernière fois dans ma précédente vidéo haul Action. Donc j'ai repris le même en plus petit. Donc j'avais déjà un cadre et j'ai repris un autre. Et ouais, j'aime beaucoup ce cadre, c'est juste très beau, c'est juste magnifique. Et je crois que ce cadre ça coûte 2 € et quelques, 2,95 € ou 2,75 €. En tout cas, je m'excuse pour ce petit problème. Il est magnifique. Et ensuite, toujours chez Action, donc j'ai repris les mêmes serviettes que j'avais pris la dernière fois, mais cette fois-ci en taille moyenne. Donc j'ai pris une grise et une blanche. Et je crois que ça m'a coûté 2 € et quelques, je me souviens plus exactement. Et franchement, j'ai utilisé les serviettes, celles que j'avais achetées avant. Je trouve que la qualité est top pour le prix que ça coûte. Franchement, il n'y a pas à redire là-dessus. Je crois que désormais, j'achèterai toutes mes serviettes chez Action, parce que je trouve franchement la qualité, elle est vraiment très 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 bonne par rapport au prix que ça coûte. Et toujours chez Action, je me suis acheté ce blender. Voilà. Ce petit blender m'a coûté, je crois, 9,95 € si je ne me trompe pas. Il est petit, mais je l'ai pris quand même. Je vais tester parce qu'en fait, j'avais un grand, mais il est cassé. Du coup, quand je suis tombée sur ça, je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est ma première fois d'acheter ce genre d'article chez Action. Je vais tester et puis on verra bien. Et j'ai hâte de recommencer à faire des smoothies pour ma famille et moi-même. Donc, on verra bien comment ça va fonctionner, si c'est efficace ou pas. Donc voilà. Et toujours chez Action, je me suis acheté aussi cet article de décoration murale. Ça m'a coûté 3,95 € par là. Je l'ai acheté pour mettre dans ma chambre, juste au-dessus de ma tête de lit. Mais je suis pas très 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 convaincue. Je sais pas vraiment si je vais le mettre au final, parce qu'en fait j'ai peur que les strass là partent. C'est pas très 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 solide. Donc voilà, on verra bien. Je suis un peu hésitante et je sais vraiment pas si je vais l'utiliser. Mais on verra, peut-être que je vais vraiment changer d'avis et je vais vraiment le mettre dans ma chambre. Donc voilà, pour finir chez Action, je me suis acheté aussi cette bougie. Elle est très belle, hein. Je l'avais déjà acheté en bleu. Et là, la dernière fois, j'ai cherché en blanc, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché la blanche partout, je n'ai pas trouvé. Et comme il restait que des roses, j'ai pris une rose. Et elle sent très bon. Elle sent très très bon. Vous connaissez mon problème, hein. Je ne peux pas vous dire quel parfum exactement parce que je suis nulle. Et il y a une abonnée qui nous a donné les parfums de l'autre bougie la dernière fois. Alors si tu passes par là, s'il te plaît, tu peux nous dire si jamais tu as déjà senti cette bougie, à quoi elle sent exactement. Moi je suis incapable de vous dire quel parfum exactement, mais tout ce que je sais,
ça sent bon, ça sent très très bon. Donc voilà, et cette bougie je crois elle coûte 2 euros et quelques, si je ne me trompe pas, ou 3 euros. Donc voilà, on a fini chez Action. Maintenant, on va rapidement passer chez Primark. Ce haul, c'est plutôt un haul, je dirais, coussin. Parce que ces derniers temps, je suis vraiment branchée coussin, housse de coussin, thé d'oreiller. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc chez Primark, j'ai plus acheté des coussins qu'autre chose. Donc je vais rapidement vous le montrer. Donc je me suis acheté ce lot de coussins. Voilà, et ça m'a coûté 12 euros. Et ça, je le mettrai dans ma chambre. J'aime bien ce coussin. Mais le seul problème, c'est que c'est des coussins non lavables. C'est-à-dire qu'une fois que ça deviendrait sale, il faudrait tout simplement les mettre à la poubelle. Je trouve ça juste nul, franchement. Bon, moi, comme je vais l'utiliser dans ma chambre avec des draps, je ne vais pas l'utiliser tout le temps. Je pense peut-être que je vais le garder un peu longtemps, mais ouais, je trouve ça nul quoi, je trouve ça vraiment nul. Mais les coussins, ils sont bien, ils sont pas mal vraiment. Oh, ils sont pas mal. Donc voilà, et toujours chez Primark, je me suis acheté encore un autre lot de coussins. Je vous ai dit hein, ces temps-ci je suis trop branchée coussin, housse de coussin, thé d'oreiller. Why I don't know. Ils sont magnifiques, j'aime bien les motifs. Je suis fatiguée. Les motifs, donc voilà, ils sont jolis ces coussins. Ils sont jolis. La 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 la. Et mon Dieu, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je reviens de vacances, je suis fatiguée. Oh, je sais même pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais même pas qu'est-ce que ça va donner, mais je vais quand même le faire jusqu'au bout. Je vais tenir. Ah, je tiens. Bon, ok, on recommence. Toujours chez Primark, je me suis pris aussi un autre lot de coussins. Celui-ci m'a coûté 10 euros. C'est vraiment très joli. Ce qui est bien avec ce modèle, on peut laver les housses. Je suis vraiment contente que je puisse laver les housses parce que ce modèle ici, je l'utiliserai dans mon salon sur mes canapés. Et comme j'ai des garçons, ça salit assez vite les coussins. Donc c'est vraiment génial que je puisse laver les housses. Donc voilà. Donc j'avais pris deux lots. Donc j'ai pris deux lots, du coup ça me fait 4 coussins. C'est vraiment magnifique, c'est génial. Donc voilà, chez Primark, je me suis aussi acheté ces diffuseurs. J'espère vraiment que ça sent bon. Ça m'a coûté 4 euros. Et pour finir, je me suis acheté plein de pinceaux. Donc j'ai acheté un pinceau pour le blush à 4 euros. Donc voilà. Et j'ai acheté un autre pinceau pour la poudre à 5 euros. Et encore un lot de pinceaux pour les fards à 4 euros. Et pour finir avec les pinceaux, j'ai acheté un autre pinceau pour le highlighter à 2 euros. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un primer. Mais mon primer que j'utilise d'habitude, c'est un primer de chez NYX. Et là, j'ai vu ce primer à 4 euros. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester et puis voir comment ça fonctionne. Donc voilà, on a fait le tour, on a fini. On a fini ce haul et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'étais fatiguée, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo pour vous montrer mes achats chez Action et chez Primark. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement pour la vidéo comment rendre son lit glamour, chic pour pas cher. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Bye!